Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Et on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Et guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et on va regarder avec le tarot. Donc là, il y a des choses qui se précipite, qui s'accélère pour vous, les Sagittaires, sur cette semaine. Oula. L'as d'épée. La force. La papesse. Beaucoup de communication, d'intuition. Oui, et on a l'8 de bâton. Donc là, je vous confirme, il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles communications ici. Vous êtes dans la maîtrise des choses. Vous avez beaucoup d'intuition. Alors, vous allez peut-être apprendre des choses, transmettre des choses aussi. Ouais, vous avez une forte intuition et un fort magnétisme sur cette semaine, les Sagittaires. Allez, on va regarder. Vous pourriez dompter quelqu'un aussi. Et c'est pas forcément en discutant. Il y a peut-être quelqu'un qui est très... agressif dans sa manière de communiquer. Alors quand je dis agressif, c'est pas forcément des insultes ou crier, mais qui prend de la place, vous voyez. Et vous, en fait, vous allez jouer la carte plutôt du silence et vous allez dompter cette personne. J'ai quelque chose comme ça pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là, on parle de formation, de savoir, de connaissances, hein, encore une fois. De nouvelles idées, d'apprendre de nouvelles informations. Il y a des nouvelles communications. Vous allez clarifier aussi une situation ici. Alors, on a quoi? Le contrat. La distance. En tout cas, vous y voyez clair, hein, sur cette semaine. Hop là. On a l'examen. Et donc, j'ai la carte qui a voulu se retourner... la carte du consultant, de la consultante. Donc, c'est bien une réussite pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière l'accusation? Ouais. Vous êtes malin, maligne sur cette semaine, les Sagittaires, par rapport à des personnes qui pourraient vous causer des petits conflits, des petites broutilles. Là, vous allez vous éloigner de tout ça, prendre de la hauteur pour moi. Même si je n'ai pas la carte du voyage, on va prendre de la hauteur. De toute façon, il y a quelque chose qui se résout bien. Il y a une réussite par rapport à un engagement, quel qu'il soit, que ce soit un contrat ou un engagement autre. Vous avez une réussite là-dessus. Ouais. Surprise, loi. La loi est en votre faveur. Hein. Voilà. Ouais. Et vous avez la tranquillité. Vous êtes tranquille. Vous êtes dans vos droits. Vous êtes droit dans vos bottes. Il est question de ne pas se laisser faire sans être dans une forme de menace d'agressivité, sans laisser vos émotions prendre le dessus ici. Pour certains et certaines, il y a peut-être de la concurrence. Alors,
par rapport à un nouvel emploi ou de la concurrence par rapport à des contrats que vous devez signer au niveau professionnel. On voit ici que vous avez une réussite dessus. Vous allez la jouer fine, les Sagittaires, sur cette semaine. Peu importe le domaine. Hein. Vous allez réussir à mettre tout le monde d'accord, à convaincre. Alors, on va regarder avec les 77, qu'est-ce qu'on a là? La clé. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 8 au 14 avril, s'il vous plaît. Les deux cœurs entrelacés. La lune, on a le déni, et là je vois pas dans le sens, le déni ici et le triomphe, pour moi le déni ça rejoint la papesse, vous voyez, ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, là ici il y a vraiment une solution qui est trouvée, il y a un accord, une entente, on voit aussi ici que vous vous réconciliez émotionnellement parlant, la lune nous parle de rapidité, hein, nouveau, hein. Donc là clairement sur cette semaine les choses elles s'accélèrent, il y a des événements qui viennent là, d'un peu partout, ça fuse. Et on voit qu'il y a une issue positive. Où il y a un entente, pourquoi pas un accord à l'amiable, pourquoi pas. Il y a une conciliation, une réconciliation une entente. Un rapprochement. Quelque chose qui se débloque aussi au niveau d'un relationnel. Hein. On trouve un terrain d'entente ici. Et pour d'autres, vous avez vraiment la victoire, hein, le triomphe. Alors peut-être que vous allez avoir des preuves pour une procédure juridique. Là, hein. Ouais, on a l'abondance derrière. Allez, on continue. Au niveau sentimental. Oh, bah dis donc, ça va vite. Je doute de notre lien. Et je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Soit c'est vous qui vous dites ça. Soit c'est une personne en face de vous. Alors, à la coupe, on a les enfants. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Alors, il y a un sentiment de légèreté pour certains et certaines d'entre vous par rapport à des rencontres. Pour d'autres, vous avez envie de légèreté. Pour d'autres encore, vous êtes concentré sur vos enfants. Les perturbations, le repos, vous êtes peut-être fatigué là, hein, par rapport à vos enfants, par rapport à vos obligations parentales. Et pour d'autres, vous avez besoin de légèreté, hein, tout simplement. C'est ce qu'on a là, la guérison, ouais. Allez, on y va. Les Sagittaires, les parents, ben, ça ressort, hein, le repos. Le break. Vous avez besoin de faire une pause par rapport à votre casquette de parent pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors vous devez... oui, ou alors c'est des obligations que vous avez, peu importe le domaine. Et là, il est vraiment question de faire une pause. Hein. Alors, on a la maison, le retour, le nom. L'abondance. Alors, pour les couples ici, vous avez envie de vous retrouver seul à la maison. Ouais. Pour d'autres ici, on peut parler d'une personne qui revient. Et là, clairement, c'est non. C'est non, vous n'avez pas envie, là. En tout cas, pas pour l'instant. Vous avez d'autres choses à faire. Les célibataires... vous avez envie d'être pour vous, là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'abondance, le chemin, vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'amour. Et
l'interdiction, le blocage. Oui, vous voulez sortir d'une phase de stagnation là, parce que vous avez d'autres choses à faire qui vous prennent du temps, de l'énergie, hein, que ce soit peut-être vos parents, vos propres parents, vos enfants, votre sphère professionnelle. Et là, en fait, vous avez envie de mettre un stop cette semaine. Hein. Vous avez envie de vous occuper de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les enfants. Ah, clairement, la cigogne, le déclic, ouais. Bah, pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez ici qu'il est temps de penser à vous, qu'il est temps de penser à votre couple, qu'il est temps de penser à votre vie sentimentale. Hein. La personne extérieure, homme ou femme. Alors, pour d'autres, il y a le retour d'une personne qui a un déclic, qui a envie peut-être de construire avec vous, qui n'a... Ouais, il y a une relation sur pause, mais... Bon. Là, il y a le fait de revenir sur une décision. Alors, soit c'est vous qui revenez sur une décision. Peut-être les célibataires, vous allez peut-être rattraper quelqu'un. Hein, parce que jusqu'ici, vous avez dit non, je peux pas, j'ai pas le temps, je peux pas faire de place, j'ai trop de choses à faire, etc. Ou alors, c'est la personne en face de vous. Si c'est une personne qui revient là, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément la... Ouais. L'accepter. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on montre là? La jalousie, le divertissement, le profit, le déplacement et surprise. Alors, ça peut être votre partenaire ici, il ou elle, hein, qui peut soudainement vous faire une surprise et vous emmener quelque part. Sachez-le. Pour d'autres, on peut avoir la visite surprise d'une personne. Les célibataires, si vous décidez là de prendre du temps pour vous, vous pourriez rencontrer une personne. Après, bon, on voit qu'il y a de l'attirance, il y a quelque chose d'intéressant, mais bon, il y a une blessure. Je pense pas que ça soit la personne de votre vie. Hein. En tout cas, c'est pas une relation pour moi là qui va sur du long terme, hein. Cette personne a encore des choses à régler, ou alors c'est vous qui avez encore des choses à régler, bon. Ok. Allez, on termine avec un message par des camps. Allez, pour les Sagittaires pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. On y va, qu'est-ce qu'on a au dos? Une mauvaise nouvelle arrive. Bon, ça c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un engagement viendra s'offrir à toi, ok. Premier décan, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Deuxième décan, des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Troisième décan, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.